Salut tout le monde, c'était JDNord, on se retrouve sur pardon. Bref, je crois que je peux couper ou je sais pas. On se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse 2 pour faire le DLC 7 ou les Frappac 3. Donc là on va d'abord faire un test de perso. Faire le test de des nouveaux persos et tout ça. Ah oui, je vais fermer le MDPT pour la tenue de nouvelle tenue de Doha, mais je sais pas où elle est. Je croyais que c'était un cadeau, mais j'ai pas fermé, donc du coup j'ai mis cette tenue. La tenue des Pride Troopers. Donc voilà, go. Ça va être long, mais ça va. Bon, après que j'aurai fait ces vidéos, je streamerai. Ou je farme toutes les clés. Voilà. Nouvel événement annoncé. Regardez le truc. Non, je m'en fous. Je vais quand même remettre le truc de Black. Alors, Black Goku. Ah ouais, j'avais mis ça aussi. Je suis super Vegeta, je suis juste pour pas plus de dégâts. Donc voilà, je te préfère en colère, c'est ça que je... C'est 180 de pété. Donc, test de perso. Donc, d'abord, je vais faire un entraînement, après... Un entraînement pour voir un peu les combos et après deux combats. Ça c'est dû à la mise à jour, donc t'as tous les autres persos de ton truc sur à côté avec leur niveau et leurs attaques. Et je crois que si tu changes le truc, j'ai pas encore vérifié, mais ça change leur technique aussi, donc ce qui est plutôt cool. Donc il y a ça en mise à jour. Donc voilà, on va... Vous avez peut-être déjà vu, mais moi j'ai pas trop test. Et nouveau perso. Donc je vais faire. Je vais voir toutes les attaques et tous les combos. Les combos carré et triangle. Et après je passerai le personnage et je ferai pareil. Je sais pas si c'était clair. Mais bon. Vous me regardez depuis le début, vous en avez l'habitude. Non, la planète tout cool. Parce qu'il y a Super Baby 2 et j'ai pas la reine du tournoi de pouvoir. Donc voilà. Là, j'aurais bien fait sur la reine du tournoi de pouvoir. Alors on a ça, ça. On a quand beaucoup... Quand elle se transforme, que Goku est en ultra instinct, elle fait ça et voilà, elle peut se péter la gueule. Donc voilà, concasseur, gigantesque, ouais, Bulbasaur. Ah, tu fermes le truc et ça fait masse dégâts. Par contre, ça te consomme assez beaucoup de ki. Volée de rayon. Oh, on faisait des rayons, rien qu'elle faisait avant qu'elle soit passée nier. Ah, ça c'est des attaques. Bon, attaque ultime. Pouf. Qui fait pas mal de dégâts. Hein. Quand même.
En fait, je me suis pas rendu compte, mais j'ai des fois fait les mêmes attaques. Merde, j'ai stamina vrai. Par ici. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Maintenant, combo. Ok. Ok, et la chope. Ouais, j'ai oublié les deux derrière, c'est tout à l'heure. Hein? On dirait qu'elle a mal au poignet. Voyez? On dirait. Donc voilà. Ça, c'était pour Kefla. Ou pour Kefura, hashtag. Je fais comme ça, écoute. Takio, de donc, paf. Là, on va faire avec Super Baby 2. On va faire un petit coup. Et après ça, je pourrais un épisode, une quête. Voilà. En plus, y a pas à dire, mais je trouve que le character design de Super Baby 2, je l'aime. Il est un peu stylé, stylé en fait. Moi, j'aime bien. Donc, paf, marteau chargé. 1574 de dégâts. Voilà. Alors, tiens, inversé. Pouf. Et tu rates et paf. Si ça rate, ça. Si ça rate, ça revient par derrière. Par exemple, si tu fais ça, tac tac tac, et que tu loques, ça va revenir. Enfin. Paf, voilà. Donc, Final Flash Vengeur. Pouf. Tu maintiens et ça te fait consommer plus de ki, mais ça tient plus longtemps et ça fait plus de dégâts. Voilà. Voilà. Paf, après t'as l'attaque ultime. En fait, ça sert à rien de dans le ki. Paf, je vous montre. Paf, tu fais ça. Tu charges le super fond. Et paf, tu le lances. Ça fait 1800, presque 1900 de dégâts. Et après, je vais vous montrer. Tac. Pas 3 barres de ki, c'est bon. Après, je vais vous montrer. Tac. Même si t'as la barre de ki à 0 et que tu charges, ça va faire autant de dégâts. Presque 1900 de dégâts. Ma tête. C'est la même chose. La même chose, donc voilà, ça fait rien de d'enlever ton ki. Donc voilà, merde, j'ai pas fait comme tac tac tac. Hop, combo en carré. Combo en triangle. 1, 2, 3, 4, 1, tac tac. Après il y a la chope. Ah. Donc voilà, après c'est bon. Bon, après les évasions, vous les connaissez. Donc on va faire un combat. D'abord je vais prendre Kefla et je vais combattre avec Super BB2. Et ce sera la même chose pour avec le plat. Je prendrai Super BB2, je ferai combattre contre le plat. Bref, alors paf. Non. Alors combat libre, 1 contre 1. Alors je vais prendre Kefla, tac. Contre Super BB2.
J'avais oublié de mettre le son dans mes oreilles. Écoute, on va le faire combattre. Ici. Ah ouais. T'as pas changé, t'es trop con. Merde. On est tous les deux stamina break du coup. Ah ouais, on finit par l'ultime. Voilà. Victory. Paf. Voilà. Donc un retour au choix des persos. Cette fois, je vais prendre un super BB2. Et je vais faire un pontage de Kepla. Dans le Kaioshinkai. Ouais. Et je suis ultra concentré parce que là elle m'a fait masse de dégâts. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était la petite vidéo courte pour montrer le test des personnages.
Donc voilà, je vous dis ciao ciao et je vous dis à une prochaine fois. Je vais quand même faire le signe avec le perso. Ciao.